Ouais, il y a de la frustration avant tout, parce que je pense qu'on a fait surtout une bonne première mi-temps, qui aurait mérité d'être, je dirais, conclue par au moins un but. Donc il y a ce poteau, il y a une ou deux situations qui sont. Qu'on aurait. Je dirais, ça fait partie d'un temps fort long, donc c'est dans ce type de match, il faut être capable de le concrétiser. Donc on ne l'a pas fait. Après, la deuxième mi-temps, elle est un tout petit peu moins rythmée. Et sans qu'il y ait beaucoup d'occasions de part et d'autre. Et puis ensuite, il y a ce moment du match où, alors pour l'instant c'est assez inexplicable, mais on lâche deux ou trois ballons dans nos remontées de balles, qui paraissent, je dirais, faciles à jouer par rapport à ce qu'on avait fait durant cette première partie du match. Et puis on remet Brest dans un temps fort qu'ils n'ont pas nécessairement provoqué. Donc ça dépend de nous. Et donc c'est dommage parce que ce type de match-là contre une équipe qui est dans une telle dynamique, évidemment, il n'y en a pas besoin. On ne doit pas faire beaucoup d'erreurs pour être sanctionné, et puis on l'a commise. Donc voilà, c'est le sentiment global. Donc il y a d'un côté de la fierté de retrouver une identité, d'être capable d'exprimer un football de qualité, avec des occasions, le regret de ne pas les concrétiser, et puis aussi des marges de manœuvre sur lesquelles on doit vite agir pour être plus performant dans les 7 matchs qui nous restent. Là, on se crée des occasions. Des fois, on a des matchs où on a peu de situations et on ne pèse pas sur le but. Là, il y en a eu. Donc, Bizot a été excellent. Je crois que tout le monde le dira. On aurait aussi pu être un peu plus juste, je crois, sur les situations de centre. On a beaucoup de centres et des centres courts, c'est-à-dire avec des distances qui sont assez courtes et peut-être un petit manque de présence, un manque de lucidité ou de la qualité du choix ou la réalisation technique qui ont été pas suffisamment justes pour aller au bout. Et c'est ce qui fait la différence à la fin du match. Oui, énormément de corners, coups francs, sur lesquels on n'a pas été trop dangereux, il me semble, pour l'ensemble. Donc là, on sait qu'on a encore un secteur sur lequel on peut travailler. On avait le sentiment d'avoir subi le plan de jeu adverse sur les deux précédentes confrontations à domicile. Et donc ça, on disait, bon, on est à domicile, on est dans une Ligue 1 qui est hyper compétitive, on peut pas s'en contenter et imaginer que simplement les événements soient favorables. Donc on voulait vraiment être acteur de ce match-là. Je crois qu'on l'a été, vraiment. On l'a été en défense. Brest n'a pas pu sortir un seul ballon, par exemple. Donc ils ont pu être dangereux sur quelques coups de pied arrêtés. Et puis par ailleurs, on a su bien défendre notre but en étant actif. Et on l'a été aussi en attaque. Donc cette attaque, nécessairement, elle demande des prises de risque. C'est aussi une sorte de coup supplémentaire à toujours impulser l'initiative. Et c'est ça, quelquefois, qui peut provoquer sur la durée des petites erreurs, parce que on a encore une jeune équipe. Hein, cette ligne de défense, par exemple, elle a 21 ans de moyenne d'âge. Hein, donc, elle découvre la Ligue 1. Et sur la durée, il y a encore des choses à apprendre, mais elle a aussi un énorme potentiel et elle a apporté beaucoup de choses aujourd'hui. Donc, on a été acteur, je crois. On a fait le match, grosso modo, qu'on souhaitait faire. Je pense qu'on les a dominé dans l'ensemble. Maintenant, les aléas d'une partie, l'imprévisibilité d'un match, ça fait toujours partie de ce qu'on trouve à ce niveau de compétition, et quels que soient les matchs de football d'ailleurs. Donc ça n'a pas été favorable aujourd'hui, y compris l'arbitrage. Il me semble que la décision de l'arbitre sur la situation litigieuse me semble très, très contestable. Maintenant, voilà, ça ne tourne pas en notre faveur, mais on doit continuer à avancer. Enfin, chacun regardera les images. Alors, moi, je vois un angle où le ballon arrive directement sur le bras. Bon, si là, ça ne siffle pas pénalty, quand est-ce que ça siffle pénalty? Donc, apparemment, les règles sont tout le temps évolutives et jamais favorables au FC Lorient, parce qu'on a zéro pénalty depuis le début de la saison, avec énormément de situations litigieuses. Lorient ne s'est jamais plaint sur les réseaux ou quoi que ce soit. Donc, on fait preuve de fair play et d'une bonne image. Je crois que c'est important pour l'image qu'on se doit d'avoir et de défendre auprès à la fois du club et puis de son entourage. Mais en même temps, on ne peut pas accepter d'être, par moment, avoir le sentiment d'injustice de cet ordre-là. Voilà, je vais le dire avec des mots ajustés.